Insta dit que c'est le meilleur Falco Trans, tout simplement. Ah ouais. Donc le mec, c'est vrai, dégueu. Ouais, vraiment. Eh ben. Il joue pas énormément, mais t'inquiète que quand il vient, il fait des trous dans le bracket. Et maintenant, c'est le match qui se lance tout de suite. Et c'est sur Rollo Bastion. Rollo Bastion, ça part en baston, let's go. Donc on dit bonjour avec les blasters, hein, évidemment. Oui, bonjour monsieur. Mais bon, Falco, c'est pas forcément le personnage qu'on connaît pour son neutral immaculé. Oui, il est un peu lent, il est un peu lourd à porter, on va dire. Pour ses mouvements, il est un peu compliqué à porter. Ouais. Et là, le petit dance smash. Ouais, directement, un dance smash à 60%, donc ça va 20% de plus. Et Ogoyo qui commence la game d'une manière explosive, hein, et pas forcément dans le bon sens pour lui. Ouais. Évidemment, est-ce que ça va pas se finir trop early sur un edgeguard? Je ne sais pas. Qui sait? On a le chiffre nice sur 7. Ouais, on sait ce qui se dit sur les cuttings de Falco, et ça a déjà failli tuer, hein, évidemment, personne tue. La belle est du garde, hein. Ogoyo qui nous montre que c'est pas parce qu'il commence la game du mauvais pied que ça va pas tourner bien pour lui finalement. Oui, c'est se tenir à son jeu. Ouais, il a un très bon avantage. Oh, ouais. Et il se laisse pas marcher sur les pieds. Ouais, bah là c'est fini, hein. Là c'est fini. Okay. Alors 7, il avait quand même gardé son sens, ça m'a pas l'air. Ouais. Et Ogoyo, il est énervé, hein. C'est ouais, dur. Allez. Non, les joueurs de la team ennemie là qui commencent à devenir vulgaires, on va te demander de rester poli, monsieur. Monsieur, restez fatigué. Je sais pas quoi dire à cette accusation. Et Seth qui arrive quand même à égaliser le match au bout d'une minute 15 à peine. Oh, le Falcon Punch pifé. Ouais, ça ne touche pas. C'était clairement un snipe. Oui. Attention, on respecte mérité, on respecte le FTG. Ici, on respecte tout le monde. Ouais, c'est vraiment Ogoyo qui a pas du tout envie de... Oh, le dernier. Alors là, Ogoyo, pas le temps, il a un rendez-vous chez le dentiste dans 5 minutes, alors il doit finir plutôt vite. C'est un BO5 ou un BO3? C'est un BO3. Alors du coup, oui, je m'attendais pas à le faire aussi vite, mais du coup, Seth est down une game. Ouais. C'est un peu dommage. C'est vrai, mais on connaît le joueur, hein, on connaît le joueur, toi et moi. C'est plus Smash GG. C'est Star GG maintenant, ça c'est. Oui, ça je le sais, mais ça a changé. Non, ça c'est le logiciel qui permet d'afficher. Après, c'est un GG. Okay. Voilà, il y a écrit 1-0. Et comme ça, les viewers ils Okay. Le truc, c'est que nous on connaît bien Seth tous les deux. Et on sait qu'il se laisse pas marcher sur les pieds tout le temps comme ça. Non. Là, c'était pas son coup d'éclat, mais il était un peu malade. De faire des choses. Il était un petit peu malade, il était un peu rouillé. Mais il a toujours les bonnes habitudes pour se dérouiller lui-même. Et là, il se débrouille même très bien. Un bon début de stock à 77%, 86% mis sur le Falco de Ogoyo, Ogoyo. Pas de East Side, West Side. Il a tenté l'arrivée du Side B, donc il n'y a pas de Side B de la part d'Ogoyo. Non. Ogoyo qui ne laisse pas respirer, hein, pourtant. Ah bah oui, hein. Dès qu'il est sur sa face, il ne lâche pas. Hein. Là, un petit peu piffé, ouais. C'est là, pas passé, mais il a eu des raisons de partir sur la plateforme du centre. Oui, bien sûr. Il a compris de toute façon, plus au centre. Oh! Et ça tue. Et ça tue. Ouais, que 67% de. Ouais. Prise de poids. Prise de poids, exactement. Prise bah, de du poids. Coup, perte de poids parce que vous avez 100% de plus léger, finalement. Bien sûr. C'est comme ça que ça marche, le jeu. Et il est passé à travers lui, mais du coup, ça clanque avec le job, c'est incroyable. Ah, on connaît bien les clanches, ici. Ouais, c'est la Lorraine ici, on dit que c'est la Lorraine, on dit clanche. C'est ça. Bon, c'est plus simple. Ça part, ouais, ça part en... petite tech chase, petite punish. On n'a pas de combo explosif aujourd'hui de la part de Seth, on a des bonnes chances d'avantage. Ouais. Et évidemment, au moment où je dis ça, il perd la stock. Ah bah ça. En ça. En ça, oui. Ça, quel plaisir. Comme connaissent les. Bon, je pense les jeunes aussi. J'ai vu d'où ça vient. D'où ça vient ça, quel plaisir? C'était pas un snap un peu connu. Je pense. Y'a moyen, hein. Ça, quel plaisir! Comme le mec qui dit, ça va être une excellente journée. Ah, je l'ai pas. Bon, pour l'instant, on retourne de. On part de nos rêves, mais on peut retourner dans la réalité de Smash Bros. Et revoir ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, 91% à 69%. Ok. Ogoyo qui veut pas la tête contre le mur. Et qui remonte, hein. Ouais, qui remonte et remonte contre le mur. Le side big spike. Oh, Seth qui remonte, allez. C'est incroyable. Allez, hop, comme on dit ici. Il a pas perdu son sang-froid. Ah, dommage. On sent qu'il a peur quand même, il fait beaucoup trop de B. Ouais. Et je l'ai pas vu tenter un seul Nerwan Mu. Non. Il est pas assez confiant là, il est un peu.
tumultueux. C'est vrai qu'il est pas bien sur cette affiche. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, même en vrai, il est un peu effrayé, hein, ça se ressent. Dans le gameplay et dans la réalité. Ouais, tu vois, il a décidé de jouer notre travail. Oh, bam smash. Le down B, enfin le down smash. On s'en rappellera du down smash de 7 là. Là, c'est vraiment, aujourd'hui, il en a envie. Hein. Ouais, il veut gagner. Il a la rage de vaincre. La rage de vivre. Oh. C'est incroyable. Garou. Mais il peut mourir à n'importe quel moment là, n'importe quel coup de Falco offstage me tue. Oui, alors là même, on stage, hein, mon cher Smash, Air One into rien du tout, donc, malheureusement. Connais, le Smash de Falco ça tue quand même plutôt bien. Ouais, ça respire voilà, bien, lunaire, ouais. Ça dégage et c'est une game even, la stock. Stock, avantage pour 7 peut-être. Non, c'est vraiment très très even. On connaît les phases d'avantage de Falco, hein, c'est des cutscene combo. Ouais, bah oui. Le Goyo il est plutôt régulier. Très dangereux pour 7 un petit peu de ses moyens. Dambi, le Dambi de 7 points de panique. Il fait des Dambi, il fait des Dambi. Ah, il y a tout de saut. Pogoyo, il va pas laisser. Ah, ouais. Et c'est le Spike. Bel game. Des applaudissements à la place de la part de sa team et de ses amis. J'étais pas confiant, mais j'ai tout.